Aujourd'hui, à Culture d'ici, on reçoit Marie Roque qui nous présente trois romans de Christian Gay-Poliquin. Bonjour Marie. Bonjour Adèle. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, comme on a déjà introduit les bookineurs, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Exactement. Et tu nous présentes trois livres de l'auteur Christian Gay-Poliquin. Oui. Christian Gay-Poliquin, premièrement, on pourrait appeler ça une trilogie, mais l'auteur lui-même refuse d'appeler ça une trilogie. Parce que c'est un fait, les romans peuvent se lire dans l'ordre ou dans le désordre. Okay. On parle plutôt de cycle romanesque, bon, parce que on retrouve le personnage qui n'est pas nommé, alors je vais l'appeler le héros. Surtout que Christian Gay-Poliquin s'inspire de certains mythes grecs, okay, en plus, pour un petit peu étoffer son récit. Alors, le premier, qui est paru en 2013, c'est « Le fil des kilomètres ». C'est aux éditions de La Peuplade. Le deuxième, qui a gagné plusieurs prix, paru en 2016, Le poids de la neige. Et le dernier, qui est paru l'automne dernier, en 2021, Les ombres filantes, excusez. Bon. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai lu dans la presse un article qui parlait de la sortie de celui-là, le dernier. Du troisième. Et moi, j'avais lu, il y a quelques années, « Le poids de la neige » et j'avais été vraiment enchantée de ma lecture. Et dans l'article, on mentionnait que, bon, c'était quand même un ensemble de trois. Ça que la semaine d'après, je me suis procuré le premier et celui-là. On peut qualifier ça de récit apocalyptique, okay, de post-apocalyptique, parce que le point de départ, c'est une panne d'électricité. Le héros, il travaille comme mécanicien, on pense que c'est dans l'Ouest canadien. L'électricité arrête et, bon, au bout de quelques jours, on voit que l'électricité ne reviendra pas. Dans tout ça, on n'a pas de nom pour le héros? Non. Pas de lieu où ça se situe? Lieu. Non, jamais. Il n'y a pas de nom pour la trilogie non plus, comme ça en est non, pas non, une... non, c'est ça, exactement. Fait qu'on se plonge là-dedans. Puis... Exactement. Ce qu'on a, c'est le titre des romans et des noms de personnages. OK. Entre-temps, le héros reçoit un appel de son père qui reste 4000 kilomètres plus loin. On pense que c'est au Québec. OK. Et parce qu'il s'en va vers l'Est. Et bon, son père devient confus. Alors, il décide de partir avec son auto pour aller aider son père et réparer quelques pots cassés. À ce qu'on comprend, la rupture avec son père, son départ dans l'Ouest, ça n'a pas été facile. Alors, tout ça, cette longue route-là, c'est parsemé d'embûches. Évidemment, il y a toutes sortes de monde sur la route. Il y a des gens qui cherchent de l'essence, il y a des gens qui payent pour de l'essence, mais il y en a qui ne veulent pas payer pour de l'essence. Alors, c'est pas facile, là. Ces événements-là créent une espèce d'amoralité, si on veut. Et là, on va parler du mythe duquel s'inspire quand même un peu l'auteur. C'est le mythe de Thésée et le Minotaure. OK. Je peux vous le résumer rapidement. Thésée a accepté d'entrer dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure, qui est un espèce de monstre mi-homme, mi-taureau. Et en ressortant, il réussit. En ressortant, il y a un malentendu avec son père qui est Égée. Et son père le croit mort et se précipite dans la mer qui a pris son nom. On connaît la mer Égée. Mm-hmm. C'est sûr qu'on ne peut pas commencer à suivre le récit puis à essayer de trouver des concordances parce que ça, c'est un piège à éviter tant qu'à moi si on veut profiter d'un récit et non pas faire une thèse de doctorat. Alors, mais on peut quand même trouver Ariane parmi les personnages parce qu'Ariane, c'est celle qui lui a donné le fil pour ne pas se retrouver dans le labyrinthe. Alors, tout ça finit assez tragiquement.
on nous laisse sur une fin où on se demande qu'est-ce qui va se passer. Ce qui m'amène au deuxième, parce que le poids de la neige, c'est encore le même récit, c'est les mêmes personnages, le même personnage principal. Et le récit nous prend au point où le premier où livre va finir. On nous avait laissé dans oui, exactement. Alors, bon, le héros est dans un état assez pitoyable, souffre de fractures multiples aux deux jambes. Il est, on le retrouve dans une véranda d'une maison abandonnée, parce que là, plus on avance dans le temps, plus les conséquences de la panne se font sentir. Okay. Et c'est un hiver absolument catastrophique. Est-ce qu'on sait sur combien de temps ça se déroule, cette histoire-là? Pas tant que ça, vaguement. Okay. Vaguement. Et dans celui-là, les chapitres, en plus, sont numérotés de façon complètement... qu'on pense farfelu, mais qu'il ne l'est pas. En fait, chaque chapitre porte un nombre, 49, 52, 126. Et c'est le nombre de centimètres de neige au sol. OK. Puis la grande qualité de ce roman, c'est que ça se passe en vase clos. C'est la vie quotidienne, c'est la lutte pour la survie, dans la nourriture qui se fait de plus en plus rare, les mesquineries, les tricheries, les cachotteries aussi. Parce que l'homme qui en prend soin, Mathias, lui en prend soin parce qu'on lui a promis qu'il serait du premier contingent à quitter ce village-là. OK. Qui est dans la noirceur et la misère, pour pouvoir rejoindre la côte. Sauf qu'on lui fait faux bond. Ça, c'est une autre histoire. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais encore là, on revient au mythe grec. Et maintenant, c'est celui de Dédale et son fils Icare. OK. Dédale, c'est lui qui a construit le labyrinthe, le fameux labyrinthe. Et il se retrouve dedans avec son fils Icare. Et lui qui sait comment en sortir. Et Icare est bien averti, comme on sait, de ne pas voler trop près du soleil. Mmh, on sait ce qui ailes. Lui arrive exactement. Il va se brûler les ailes. Le labyrinthe là-dedans, c'est sûr que c'est le terrible hiver que ces deux personnages-là ont à traverser ensemble, avec très peu de contact avec l'extérieur. Bon. Ce qui est remarquable dans ce roman-là, c'est la description de la neige okay. qu'on a, qui, presque chaque jour qui s'amène, comporte soit une chute de neige ou les conséquences d'une chute de neige. Alors, je peux vous lire comment l'auteur en parle. C'est quelques petites citations, en fait, là, où l'auteur parle de la neige. On parle d'un ciel bleu et dur. On parle aussi, on dit que tout est bleu et gris. Le ciel et la neige se confondent. Ensuite, une autre citation, « Dehors, une neige affamée s'empresse de rejoindre le sol. » Ça, je pense que c'est la plus belle. Et bon, c'est la tempête depuis une semaine. Le vent défigure les arbres et soulève la neige à mesure qu'elle tombe. On ne sait plus si les flocons arrivent du ciel ou montent du sol. Et en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que quand on pense au mythe d'Icare, il y a des extraits dans le roman qui peuvent nous donner un aperçu de ce que Dédale promet à son fils okay. quand ils sont sortis du labyrinthe. Et bon, ce que je peux vous dire, moi, je ne révèle jamais les fins des romans, comme vous savez. Le printemps, il va arriver et le héros va se remettre en route. Il va guérir et se remettre en route. OK. Ce qui nous amène aux ombres filantes. Donc, on ne leur trouve pas de neige cette fois-ci, le héros. Là, le printemps est enfin arrivé. Le récit, toujours, reprend où on l'avait laissé. C'est divisé en trois parties. La forêt, la famille et le ciel. OK. Ces trois pôles, bien, ça représente un peu le chemin que le héros va parcourir pour arriver à son but ultime. De rejoindre la côte, finalement. Est-ce que ce livre-là se termine à ce moment-là ou on attend encore une suite? C'est une fin ouverte. OK. Ça, il y en a qui aiment ça, il y en a qui haïssent ça. Moi, j'adore ça. Là. Oui. Plus tu m'en parles, plus j'ai envie de me mettre dans cette histoire-là. C'est une fin ouverte et, en tout cas, l'auteur n'a pas vraiment rien promis. OK. Ça pourrait finir comme ça. À mon sens, ça pourrait finir comme ça. Bon, les mythes sont toujours un peu présents, c'est sûr. Et là, on se retrouve en forêt du début à la fin.
Christian Gay-Poliquin, c'est un homme qui aime énormément la forêt et qui a conçu un peu la trame de son récit lors d'une expédition transgaspésienne en forêt. Et le but du héros, son premier but, c'est de retrouver sa famille. Ses oncles, ses tantes qui, il l'a su, sont allés au camp de chasse familial, qui est au cœur de la forêt, évidemment, pour se refaire une vie, finalement, puis vivre en autarcie. Bon, c'est sûr qu'il y a des embûches encore, parce qu'il y a de plus en plus de gens sur la route qui sont louches, qui sont exploiteurs, voleurs, ainsi de suite. Et l'événement pivot du récit, c'est sa rencontre avec un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Olio. Et ce garçon a perdu sa famille dans tous ces événements-là. Et ils deviennent inséparables, ils deviennent vraiment un tandem. Et une fois la famille rejointe, ils vivent là un certain temps. Et là, on voit qu'il y a un conflit en deux visions. Les plus vieux de la famille voudraient, eux autres, faire du troc, chasser l'orignal, puis échanger ça contre des marchandises. C'est vraiment ça, les deux visions. Un groupe veut chasser, quitte à épuiser les ressources, et l'autre groupe commence à jardiner, puis à essayer de trouver des alternatives un peu plus écologiques. Bien, Marie, on devra se laisser sur ce suspense-là de la fin de cette histoire-là. Je te remercie encore une fois de ton temps, puis j'espère que tu auras donné le goût autant téléspectateurs que tu m'as donné le goût à moi de lire ces trois romans-là. Et nous, on se dit à bientôt pour un autre épisode de Culture d'ici. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.